Maman? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Kelly? Maman, j'aimerais te poser une question à propos de Peter. Peter? Mon père? Oh non, Kelly. J'aimerais savoir comment ils se sont rencontrés avec Margaret. Kelly, je suis en train de lire une biographie de Hitler. Et c'est passionnant. Oui, mais comment ils se sont rencontrés, ton père et ta mère? Oh non, Michel, tu veux pas dire quelque chose, là? Maman tranquille. Tu sais bien qu'elle n'aime pas toutes ces questions. Et puis ça sert à rien de remuer le passé. Tu sais, c'est douloureux pour ta mère. Elle a pas envie de se replonger là-dedans. Tu veux un carré de choc? Non, papa, pas maintenant. Tu sais, moi, quand j'ai une contrariété ou que je n'ai pas la réponse à mes questions, je me fais un petit carré de choc. Non, mais papa, là, c'est important. Attends-moi là, je vais te chercher un petit carré de choc. Maman, s'il te plaît, comment ils se sont rencontrés? Kelly? Connais-tu le traumatisme initial d'Adolf? Oui, je sais, maman, il a raté son concours d'entrée aux Beaux-Arts de Vienne. Bon, non, ça, Kelly, tout le monde le sait. Mais sais-tu pourquoi il l'a raté? Parce que le jour du concours, il a présenté une peinture d'un paysage. Adolf aimait beaucoup peindre les paysages. Et sur ce paysage, il a peint un petit buisson. En bas, à droite. Seulement, il n'a pas bien restitué ce petit buisson. Et c'est pour ça qu'il s'est fait recaler. Ensuite, il est devenu obsédé par son moustache qu'il voulait absolument tailler comme un petit buisson parfait. Et de là, tout a découlé. Mais ça, Kelly, personne ne le dit. Moi, je te dis ça parce qu'il me semble que tu as raté ton concours d'entrée au concours de danse, non? On ne sait jamais où nous mènent nos ratages. C'était quoi déjà ton question, sweetie? Ah non, rien, laisse tomber. Non, non, rien, laisse tomber, oh, ça va, je le connais, cette petite moue à la Ceausescu.